On est content, du coup on a ramené ça, voilà, ça fait plaisir. On récupère le Zvipool, c'est bon, on va y aller. Set name, on avait dit qu'on l'appelait Zvipullover, parce que c'était trop marrant. Bonne joke hein, quand même, hein. Zvipullover, parce qu'il fait froid. Et on peut y aller. C'est bon, bon jeu de mots, je valide. Mais c'est bien, parce que du coup, il faut un comité d'approbation, je pense. Il faut un comité, il faut revenir à l'essence même de la bonne blague, la bonne vanne, la boutade, le calembour, le bout en train. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, ça bon, c'est normal, c'est la base. Mais aujourd'hui, soit on peut plus rigoler de rien, soit l'humour c'est de la merde. Ça veut dire que vous avez des mecs trop marrants qui font des vannes un petit peu osées. Bon, peut-être qu'ils partent en couille à des moments, mais bref. Et on dit qu'ils sont un peu racistes, etc. Ils vont trop loin. Et de l'autre côté, vous avez des mecs avec 500 000 abonnés sur YouTube qui s'appellent les délires de Max. Et c'est la plus grosse merde de l'histoire. Non, pardon. Voilà, alors ça vous... Voilà. Mieux, vous avez des mecs comme Kev Adams qui font Aladdin et Alad 2. Ça veut dire que genre, y a deux couilles dans ce que je viens de dire. La première, c'est qu'il y a des mecs assez cons pour avoir lâché 30 millions d'euros pour qu'ils en fassent un deuxième. Et il y a des mecs assez cons pour lâcher 30 millions d'euros pour qu'ils en fassent un deuxième et qu'ils appellent ça Alad 2. Ok. Certains diront bonne joke, moi je dirais nul à chier, mais bref. Faut rester simple, exactement. Il faut revenir à l'essence même. Alors c'est peut-être pas la bonne, le bon jour pour parler de ça alors qu'il y a plein de manifs contre le prix du diesel et tout le bordel. Mais il faut revenir à l'essence même de la joke. De la bonne joke, voilà, faut que ça claque. Pouette-pouette. Non, 10 camions, poète-poète, et tu touches les uns. Voilà, ça percute, c'est marrant, les collègues se pissent dessus, la gonze en face, bon, lâche un petit hashtag MeToo, mais ça, à la limite, on s'en branle. Mais voilà, faut que ça... Deep impact, comme on dit. Du Steven Seagal, mais en joke. Faut que ça soit aussi violent que l'industrie métallurgique allemande à partir de 1940, quoi. Faut, voilà, t'es... Tu fais plus dans la dentelle. Tu fais plus dans la dentelle. Faut que ça soit efficace. Voilà, c'est ça le principe. C'est efficace. Tu fais un tank. Tu vas pas définir des tolérances de parois à plus ou moins 3 microns. T'en bats les couilles. Tu fais un truc d'1m20, 1m10. T'es plus à ça près. Tu t'en bats les reins. Là, c'est un peu pareil. Tu fais une vanne. T'es pas là pour. Tu mets pas des guirlandes, des boules et 2-3 loupiottes. T'en bats les couilles. Tu lâches le truc. Faut que les gens se chient dessus instantanément. Bref. En tout cas, merci à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur la Warden Radio avec des images. Mais en tout cas, merci. Merci à toi pour... Moi, je préfère ce genre d'émoticône, vous voyez. Voilà, ça, c'est de l'émoticône. On connaît la référence. On sait que c'est de la qualité. On sait que c'est de la Warden Radio. On sait que derrière, c'est travaillé. Qu'il n'y a pas d'impro. Tout est scripté. Les choses se passent à fond, comme dirait Leroy Enoch, et les choses se passent à fond combe, comme dirait Bilbo le Hobbit. Voilà, c'est les ambiances. Donc n'hésitez pas à partager. Normalement, si je dis pas de bêtises, vous pouvez spammer ce genre d'émoticône dans d'autres chats que le mien. À partir du moment où vous êtes sub à la Warden Radio, vous pourrez bourrer cet émoticône dans le chat d'un connard quelconque. Histoire de voilà, vous représenter les frères restés au bled. Voilà, vous êtes le seul représentant de la Warden Radio dans un chat. Vous êtes sur le chat de Ninja. Vous êtes un petit peu comme Émile Louis au milieu d'une classe primaire. Voilà, il y a des gamins partout autour de vous en train de hurler Ninja. Ninja, tourne-toi, regarde-moi Ninja, est-ce que je peux faire une game avec toi? T'as l'autre qui arrive même plus à remplacer une parce qu'il y a tellement de subs et il a limite, il a une liasse de billets dans la bouche donc il arrive même plus à articuler. Et c'est là où vous dites... Vous devez représenter le vrai Twitch.
le vrai Twitch qui a su garder les pieds sur terre malgré, là je vous le cache pas, je suis transparent, je vous donne des chiffres. J'ai 12 subs. 12 subs aujourd'hui, ça fait à peu près 7000 euros par mois. Ok, parce que voilà, j'ai des gens qui n'ont pas hésité à claquer des subs à 700 balles quasiment, le plus haut tiers. Hein. Donc aujourd'hui, mon fric, moi c'est pareil, je sais plus quoi en foutre. Mais j'ai su garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, head and shoulders. Je suis capable aujourd'hui d'arriver dans une boulangerie et de pas dire vous mettez deux pains au chocolat et tendre une pièce de 20 centimes. Tu vois, genre je garde la réalité des choses. Je sais qu'un pain au chocolat, vous pouvez prendre le maxi en double rack avec deux racks de chocolat, c'est un 10. C'est entre un 10 et un 40, voilà. Je suis resté proche de la petite Jean. Des gens comme vous, hein, qui allaient à la pompe et pétaient un boulard parce que vous êtes passé d'un euro 55 à un euro 58 le litre. Mais comme, en fait, vous avez rien à foutre, mais comme vous avez Thierry qui vient de se siffler à 7h30 du matin son verre de blanc et qui est déjà en train de mettre son gilet jaune et de casser des vitrines, vous dites putain, ça a l'air d'être les ambiances, je vais faire comme lui. Et du coup, vous retrouvez comme un connard à bloquer un carrefour. Alors vous savez même pas pourquoi, mais c'est trop le fun parce que voilà. Bref, bon, du coup, pour revenir à ça, vous êtes dans le chat de Ninja et vous savez qu'il vous représente le vrai Twitch et pas le Twitch qui est parti en couille avec la thune qui déborde de tous les côtés, où le mec a un lingot quoi, carré dans le fion, il sait même plus par où il respire parce que genre il a une liasse dans la bouche, un lingot dans le cul et il a deux bons au porteur, des actions Apple dans les narines. Donc du coup le mec il a deux doigts dessus, on dirait un vieux cheval en fin de course. Et du coup, là, c'est là où vous droppez les émoticônes de la Warden Radio. Et c'est là où vous faites un geste militant. Et c'est pas anodin, c'est politique, c'est engagé ce que vous faites. Et faut pas hésiter à le faire. Voilà, bon bref. Exactement. Et on va peut-être revenir à ce qu'on voulait faire à la base, c'est-à-dire un peu de PVP. Après cette tirade à la con, le PVP, est-ce qu'on va...